Bonjour à toutes et à tous, bonsoir, et aujourd'hui on se retrouve sur l'épisode numéro 31. Oui, je mélange le français et l'anglais, ça ferait un franglais. L'épisode 31 sur We Happy Few. Nous sommes heureux, nous sommes joyeux quelque peu. Alors la fois c'est arrêté dans un putain de épisode gigargantuesque, gigargantuesque. Voilà, j'invente des mots, je sais pas si ça existe, je suis trop fort, ça existe pas. Et ben je l'invente, je mets dans le dictionnaire, c'est moi, c'est pour moi, c'est cadeau. Et on avait eu des bobbies qui ont chanté notre gloire parce qu'on a enfin fait la Joy à la mur pour eux. Du coup ils ont chanté notre gloire à Sally Boy, la fabriqueuse de Joy, j'allais dire un mot mais je sais plus le bon mot, du coup j'arrête. Et pendant ce temps Sally avait une petite soupçon sur la dernière fois qu'un mec est rentré chez elle qui a défoncé sa porte, rappelez-vous-en là, cette porte là. Elle se disait mais putain, est-ce que ma fille est un vrai bébé, est-ce que ce serait pas un rat comme avait supposé. Et pourquoi à chaque fois il a allumé ce truc? Et comme avait supposé le monsieur, du coup elle a un doute, elle s'est dit bon, on va vérifier quand même. Et si c'est un rat, je le dis tout de suite, ce serait extrêmement drôle et cohérent avec la tête du gamin, j'ai envie de dire aussi. Allez, on va courir, on va voir ça tout de suite dans le suspense le plus total. Et attendez, est-ce que j'ai un truc qui s'affiche sur ma carte? Voilà, j'aime pas quand ça s'affiche. Voilà. Attention, suspense. That's exactly how mommy feels. She's allowed to hurt anyone. Not even you. Merde, c'est pas. Je veux dire, oh, bien, heureusement. Aren't you hungry, darling? Ah bon, maintenant elle fait chier, elle veut plus boire. Get across to the mainland. I just haven't got the faintest fucking clue how. But I bet there are still cows out there. Or goats. Elle a des boutons sur la gueule, c'est bon. This awful stuff mummy produce. Il faudra peut-être que tu fais examiner ta gamine. Je crois qu'elle a un peu d'eczéma ou je ne sais quoi sur la gueule. And a cute little runny nose. Et t'as des putains de boutons aussi. And a... Ah, merci. Rash that keeps getting worse. Ah, la rouge jaune. Oula, oh là, oui, d'accord. Après, moi je dis, est-ce que c'est pas un mal pour un bien? Voilà, elle a la rouge, le bébé satanique à la rougeole, il crève, Sally est libérée, elle peut vaguer à ses occupations et draguer toute la ville comme elle le veut. Moi je dis, ça peut être une fin possible. Bon d'accord, j'arrête des dégueulasses et on y va. Alors attends, je vais prendre Gwen dans mes bras. What kind of bedtime story did you tell me? What do you think all day long while you're lying there waiting for me to come back? Do you know all the secrets? Or are you just thinking that you have a poopy nappy and the ceiling is full of cracks? Moi je pense pour la deuxième option. Bah elle est pas fissurée, le plafond il est très très beau. Après c'est très très noir chez moi, mais peut-être que chez vous c'est, vous voyez une fissure. Ah j'ai soif, attendez j'ai ce. Alors attendez, il faut que je ramasse le livre médical. Qui est le livre médical? Ah d'accord, la table de chevet, ok, c'est logique. Attendez, d'abord je bois un petit coup. Est-ce que j'ai un truc à boire? J'ai du tifotsu, on va prendre du tifotsu avec le petit doigt qui dépasse, j'adore. Non, c'est ça que je voulais. Ah je savais bien qu'il fallait le ramasser un de ces quatre, je l'avais vu ce livre. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est bizarre qu'on ne peut pas se le ramasser. Oh my god. Babies die of measles. Ah merde, bah ce que je disais en fait, la deuxième fois est mieux en fait. Cod liver oil. Attends, c'est quoi cette deuxième image qui est à droite où il est tout vert? Pictusus. C'est écrit ça? Ou non, Perctusas. Pictusus, c'est toi, t'es marrant comme nom de maladie. Oh bah c'est bizarre, mais ça les rend verdâtres. Ah bon d'accord, faut faire des allers-retours entre le bébé et tout ça. Alors, est-ce qu'elle a bien les symptômes qu'on a dit? Oui, c'est clair. Ah, c'est pour ça qu'elle voulait buter le poids de Maury. Dr. Verloc does have some. But he's pretty pissed off at mommy right now. Ah attendez, je fais juste pause deux secondes. Mais rappelez-vous-en qu'avec Arthur, quand on a contrôlé Arthur, à un moment on voulait Sally Ball demander de lui ramener l'huile de foie de morue. On a dû aller voir des docteurs, je crois, dans le laboratoire des docteurs et tout. C'était abordé le plus total, j'avais flippé. Et du coup voilà, on lui a enfin donné son putain d'huile de morue. On savait pas ce que vous voulez en faire. Et maintenant on sait. Tout se regroupe, tout se rejoint, tout s'explique. But I'll die if I don't get cod liver oil. Alright. Oula, elle devient un peu cinglée aussi. I'll go and see him. Maybe he's calmed down. Maybe. Sally a viré à la psychopathe. This is not gonna be fun.
Je sais pas si c'est bon, hein, pour que... Là, Sally, elle... Il y a un petit peu d'un goût, d'un goût. Voilà, hein, on va faire... Je sais pas si c'est une bonne... Ah, bah, fallait tout là-bas. Bon, c'est magnifique. Allez, on va dans un endroit où on n'a pas encore été visité. Pourquoi là il y a un truc? Relier les points, vérifier que Gwen va bien. Ah bah ça y est, ça j'ai fait. C'est un peu chiant des fois sur la carte, il te remet des trucs que tu viens de faire. Et c'est un petit peu casse-bobo. Bon allez c'est parti, on va aller tout de suite aller voir le docteur Verloc. Pour qu'il nous dise je te donnerai pas, t'es méchante, je t'aime pas, t'es vilaine. Puis c'est tout, t'as couché avec mon frère. Ou mon soeur, je ne sais pas. On ne sait pas avec Sally. Et du coup voilà, on va aller voir ça. Il y a un chargement qui m'a coupé et on va aller voir ces deux de suite. Et je sais pas comment ça va se regrouper là parce que là en vrai Sally ne fait rien pendant ce temps là parce que ouais, elle rencontre Arthur qui elle demande à Arthur d'aller chercher ce truc. Mais sinon elle fait rien en autre temps qu'Arthur fait ça. Ou alors elle a fait autre chose et on sait pas aussi peut-être. À part attendre Arthur pendant des heures, c'est quoi ici? C'est coincé. Putain je suis curieux. On dirait le même truc que le labo avec... ouais, c'est le même. Regardez, c'est le même truc. Ils ont repris la même architecture qu'avec la scientifique avec Arthur. Mais oui, c'est la même chose. Waouh, ils ont recyclé le vieux truc. Oh, je suis choqué. En même temps, tu vas me dire que toutes les lieux se ressemblent, c'est facilement recyclable. C'est pas faux, ils recyclent un petit peu tout. Je suis déçu quand même. Ah c'est bon, c'est là. Parce que je parle. Je dis des conneries mais... Ah oui c'est le grand pont où on voit normalement la ville. Oui voilà, ah bah c'était ce côté là. C'était pas ce côté là la dernière fois qu'on regardait avec Arthur. Ou peut-être pas, je suis cinglé. Voilà, tous les ponts se ressemblent dans ce jeu de toute façon. Il faut toujours 1 km de long. Putain mais pourquoi faire un pont aussi long? Je veux des explications mesdames et messieurs. Un architecte, s'il y a un architecte dans les commentaires, s'il vous plaît dans les abonnés, dites-moi. Ah on va prendre le masque. Coucou. On va prendre le masque. Voilà. J'ai pas eu le temps de dire ce qui s'est écrit par contre. C'est sur quoi? Ah, c'est sur les maths. Oh non, j'aime pas. On passe. Je veux pas les maths. It's advanced maths and chemistry. One of the German scientists is teaching it. We're not paying extra school fees for something you'll never use. That's too bad. All the brightest boys are taking it. The ones from the best families. And I'll need help with my homework. Faire connaissance, hein, Sally. Once you're talking sense. Maybe this once we can scrape together some money. If you can talk your way in. He already said yes. Imagine my surprise. Tu m'étonnes qu'il a déjà dit oui le petit coquin. On se connaît un peu Sally là. Ah voilà. C'est une femme libertine. Ah oui, on avait été là avec Arthur et demandé la carte de presse. Alors, on va voir, on s'est engueulé, je pense. Hello. It's Sally. Sally Boyle. Can I come in? Righto, ma'am. I'll get the door for ya. Ah d'accord. Ah bah je... C'est aussi simple que ça. Moi je... D'accord. Miss Boyle, what a nice surprise. We haven't seen you in quite some time, have we, Constable Whistler? Indeed, we have not, Constable Layton. And may I say, ma'am, you brighten our day. Like blackberry joy. What would we do without our blackberry joy? And we thank you for it, don't we? I must say, Dr. Verloc is not equally thankful, seeing as you have become his primary competition. And he nurses a broken heart. Hell hath no fury, as they say. Are you quite sure you wish us to announce your presence? Please. Dr. Verloc, sir? I said no interruption. Dr. Verloc, sir, there is a young lady who wishes to see you. You'll have to be more specific. You place me in a quandary, sir, as you have expressly forbidden me to speak your name on any account. Sally. Hi. Ah oui, quand même. Elle a failli me faire un coup de boule, Captain. Please don't hate me. La cure, elle n'en a pas. Enfin, ce que je sais, elle n'en a pas. I teach you everything I know. You steal my notes. They were my notes, Doctor. You steal my business, and you have the nerve to come back here. You locked me out in the rain to teach me a lesson. And then you replace me with Bing. Anton. We were so close to cracking the isometric structure of the new molecule. I suppose you cracked it on your own after you left, didn't you? Doctor. Your blackberry. Doctor! I don't care if the General's protecting you. You've gone too far this time. Sergeant,
Arrest her! She's a thief! Don't let her get away! D'accord. Et il a des preuves? I am sorry, Miss Boyle. Perhaps you had better. Yeah. C'est pas sous-traité, mais elle a dit, je suis désolé, Madame Sally. Et j'ai pas compris le ce qu'il disait deuxième. Fuckity fuck! Why do I get cod liver oil now? Ah, mais il me laisse partir, d'accord, ok. Ok, ah bon, ils sont bien gentils. Bon. Putain, les. En fait, pour qu'ils soient gentils, les bobbies, il faut leur donner déjà qu'il y a la mûre et après ils t'aiment, quoi. Arthur. He was always so good at finding things. If he can survive the Garden District. He was so mad, but. He could never stay mad at me for long. Not after he told me off. Ha, ok. Bon, là, faut aller dans le quartier des jardins. Est-ce que j'ai compris? Oui, voilà, il faut aller voir Arthur. Il est là, Arthur! Non, c'est pas là. Si, c'est ça. Du coup, bah, on va aller à la trap, in the trap, tout de suite. Et on va aller voir Arthur, le pêcheur de chaussures, pour lui demander s'il peut pas aller chercher l'huile de foie de morue. Comme dans l'accord contre Arthur. A few moments later. Ah, nous y sommes, les jardins. Ah bah, elle est là. Bon bah après ça croise pas du tout, ok, l'histoire avec Arthur. C'est dommage, j'aurais bien voulu qu'il y ait un petit croisement et tout. Parce que Arthur n'a jamais rencontré Sally dans les jardins. On allait à chaque fois chez elle pour lui donner le téléphone mot ou lui parler. Sorry. For the past 14 years, I've sort of thought about what I'd say if I ever ran into you again. But being a complete jealous ass about the general was not really part of the plan. Sir Robert's a client. Oh, good. I mean... I don't go around having sex with all my clients. No. Ah bon? No. J'avais un doute, Sally. Of course not. I just... I could ask him. He likes to feel important. Even after all those awful things I said? We used to be Arthur and Sally. The two musketeers. Remember? Did you really come here just to offer me a letter of transit? Or did you want something? I thought we could help each other. All right. What do you want? I used to know I could trust you about anything. Donc tu vas dans un putain de labo, il y a que des docteurs. What is it you want? It's going to sound stupid, but a bottle of cod liver oil. A bottle of cod liver oil? Like your mum used to torment you with? What if I told you it was sort of a souvenir? Why on earth would you want to remember your mum? I don't know. I keep hoping I'll remember something that'll make it all better. Like maybe it was an accident and she didn't mean to poison the soup. You know how joy fucks up your memories. Look, if it's too much to ask. I suppose it would be too much to expect. Don't worry, Arthur. I will ask my friend the General for a rotten scrap of paper just for old time's sake. Look, it's not exactly a souvenir. Things have got a little more complicated than usual. And I'm sorry I fucked everything up. I wanted to die, you know? I thought about it. But I couldn't. Not after... After what your mum did? What my mum did. Look, I'll get it for you. The cod liver oil. I missed you so. I'm sorry. I shouldn't have done that. I'll get you that letter. I have to go. I'm sorry. I really, really. It just came out. Go, get you that bottle. Meet you back here sometime. I'll let you know when I've got it. I guess I've got to see the general now. Won't that be fun? Bah, je suis déçu, je croyais qu'on allait faire le crac-crac dans les buissons, juste là avec Sally. Mais bon, c'est pas grave, écoute. Oh, encore un masque, c'est magnifique en plus en haut. Ah, Vichy. Ok, bon, alors c'est un peu dommage, ce que je trouve un peu dommage dans l'histoire, c'est qu'ils regroupent pas en fait. Ils ont pas, en fait, pour que Sally ait quelque chose tout le temps à faire, ils ont pas essayé de regrouper exactement comme c'est passé avec Arthur. Ce qui est dommage parce que ça montre qu'ils ont ils auraient pu avoir de l'inventivité pour se dire bon pas variant pendant que Sally est en train de regarder les symptômes de sa petite,
elle entend Arthur frapper à sa porte et tout, comme avec, quand, avec Arthur quand on va voir Sally. Et là, il dit, elle a dit, ah bah, j'ai, super, t'es là, j'ai besoin d'un vieux du fond de Maury. Et pendant que Arthur vit son aventure d'aller à l'Ulfermeru, aller au laboratoire des docteurs, c'est super dangereux. Elle, Sally, de son côté, je sais pas, elle va, je sais pas, par exemple, voir le général. Bah justement, voir le général pour la lettre, ça aurait été parfait. Du coup, ça aurait été synchro avec le... J'ai pas compris leur idée de... Ou alors pour amener un peu plus dramatique, parce que là, c'est dans les jardins quand ils étaient petits. Oui, mais ça change tout. Oh, c'est bizarre. C'est très bizarre. Bon, allez, hop. On prend le masque d'Auré et on écoute les petites histoires. Oh, top. Bah tiens, on avait été là avec Arthur. You can't expect me to wear that. Since when do you care about fashion? I thought that was only for silly girls. For God's sake, gingham. I look like Hansel and Gretel. You've been looking a bit too provocative. Provocative? Parce qu'elle est un peu en cul, c'est ça? I don't even wear a bra yet. Maybe you should. I don't want men to get the wrong idea about you. First, I'm not doing enough to get a man. Now I'm trying too hard. Just wear the dress, will you? It'll keep away the wrong sort of attention. Ouais, ça montrera qu'on peut soulever ta jupe et on va voir ta culotte. Si à part si t'en as pas, c'est possible avec Sally. Du coup, bon bah, il dort maintenant, il faut aller où? Ah oui, il faut aller voir le général Bing, Chandler Bing. Ah oui, c'est là. Et du coup, bah moi, en fait, vous voyez que là, j'ai tout découvert parce qu'en fait, je cherchais la trappe qui est là. Et apparemment, c'est parce qu'il était obligé d'aller dans l'histoire. Enfin, ce que je m'en doutais un peu. Bon bah, du coup, ok. Bon bah, alors, faut que je fasse tout ça à pied pour aller voir le général Bing. Chandler Bing. Bon bah c'est pas grave, allez, à tout de suite, on se retrouve devant le bunker du général Bing. One eternity later. Et enfin nous voilà arrivés. Putain, ça fait de la trotte, surtout qu'en fait je viens de découvrir que dans le brouillard qui était un tout petit brouillard qui est ici, il y avait une trappe que je pouvais activer. Lovely to see you, Miss Boyle. Nice to see you, Miss Boyle. Ok, voilà, c'est bon. Ça, j'avais déjà fait la dernière fois. J'étais déjà venu hein, en off pour vous dire, pour fouiller tout ça, parce que je cherchais la trappe. I hope the general's not in one of his old poor me moves. It's such a chore dragging him out of them. Ah, du coup, voilà, on peut rentrer. Cheery, I bet he'll give me the letter of transit without a blink. Ok, bah à mon avis, hello? Ça va être la galère. Hello. On va enfin bien voir le camp sans que ce soit de nuit et que ça soit pas total comme dans avec Arthur. Please don't ambush me. Where are they? Miss Boyle, we weren't expecting you. Harry, why the fuck is the gate open? Excuse my French, ma'am. I told you to close it. No, Sergeant, you didn't. You said you were gonna close it, but you had to go to the loo first. No, I didn't. I said I'm going to the loo. Why didn't you close the gate? Boys, boys, you can close it now if you like. Right, Harry, close the gate, if you please, whilst I accompany Miss Boyle to the General's office. D'accord, ok, bah c'est bien, faites-moi un fondu noir, j'ai pas envie de remarcher. Surtout, je me suis tapé des bornes pour venir ici. Miss Boyle! I won't be happy to see you. He's trying to fix the boat again. The one in the warehouse? You mean the one in the boathouse, as is, Mom? They've moved the boat to the water. And he's got Hardy patching it up. Hardy don't hardly know which end of a boat goes in the water. If you don't think Hardy's up to it, find me someone who does know boats. Sally! Suppose you drift away, sir. How are we gonna fetch you? What an unexpected pleasure. J'adore son écharpe, au général. Par contre, il est vraiment grand. Army officers ought not to be pottering about in boats, sir. I realize you must be out of Rainbow. You haven't been round in weeks. Wasn't I around just a few days ago? Damn it. Merde, ils sont souvenus. Ah, pas mal. Oh, and a friend of mine left the parade without his letter of transit. Now he can't go back to work. Isn't that silly? Any friend of yours, my dear. On va devoir le draguer. Ah bah merci. It's been too long, anyway. Aha. Oddest thing, last time I was there, I could swear I heard something that sounded like a cat. But I haven't seen a cat since the war. Have you? Fortunately, I wrote myself a note. Sally's got a baby. What do you suppose that means? Who knows?
once you hallucinated that you were back in India and you kept saying, but I don't want to shoot some poor bastard's elephant. You're as clever a liar as I am. You can lie with the truth. Bah là, j'aime moins son chat. It's Dr. Velox, baby. Isn't it? No wonder you never told him. God knows what he'd do to a baby. You might have told me. She's not your bloody baby. So what do you care? Do you remember the children born after the war? We got some of them out, but they made everyone so unhappy. Can you get us out? I might be able to get her out if I'm very clever, but Uh-oh. No. I can't J'aime pas spare ça. You. What do you think would happen if our beloved Bobbies ran out of Blackberry Joy? I have a safe house. C'est la merde. Remember that abandoned building where you threw me that masquerade ball last year? I've cleaned it up a bit. Bring her there. I'm not sending her away. Why not? It's traditional, a single girl in trouble, not equipped to take care of her baby. I'd have thought you'd be grateful. Oh, vas-y, tape ma tête. You'll end up in one of Dr. Verloc's glass cells, and even I won't be able to save you. Il y a un coffre là-haut, vais-y te piquer. You don't know what it's like to be alone, do you? A girl like you never is. Ça, c'est sûr qu'elle est jamais seule. Bon, pendant un moment, elle est jamais seule. I think après, you know the way out. On est dans la merde. Enfin, Sally est dans la merde. Right. I've got the bloody letter of transit. Arthur said he'd let me know when he had the cod liver oil. Oh, I hope he sent me something on the blower. Wait. Alors, est-ce que du coup, elle est ouverte, l'abri? Excusez-moi, je suis curieux. Is the general's got the boat in the boathouse? If I can get it working, maybe I can get us out of here. Aha! Allez au hangar à bateau. Du coup, attendez, parce que, oula, attendez, il y a eu plein de nouveaux trucs. Ça va être les notes de Sally, à mon avis. Bon, vous ferez pause si vous voulez lire. Ok. Putain, il y a tellement de trucs. Bah d'abord, alors, on va finir là. Voilà, on va finir là, comme ça, ça laisse plus, le suspense le plus total. Alors, le bébé n'est pas un rat. Bonne ou mauvaise nouvelle, c'est à vous de voir. Et maintenant on est dans la merde parce que le putain de général est pas aussi con qu'on le croyait. Et il a noté que Sally avait un bibi. Et on est dans le caca. Alors qu'est-ce que je vais prendre? Tolérance élevée, les joys durent plus longtemps. Mais ça j'en prends jamais de joy. Production de certaines drogues, enfin avec moi, on va prendre ça. Ah, ah non c'est 15. C'est 15. Les armes fabriquées, les sprays sucent deux fois moins vite. Et manger de la nourriture variée sans être malade. Et franchement tous les trucs ils servent plus à rien. La fin de la soif fabrique en plus d'effets négatifs. Ouais bon bah écoutez on va prendre le truc de la fin. Pour remplir un peu, voilà, comme ça me fait 5 points. Et moi je vais arrêter là. Alors attendez, est-ce que si vous le prochain truc. Ah oui c'est d'accord, le hangar est juste là. Et du coup. Mais ça c'est des quêtes annexes, ok. Alors, ça c'est quoi? Adieu à tout. Voir comment tout s'est passé. Ah, faut aller vous retrouver Bénédicte, c'est ça, enfin. Il est où, ce con? Il est tout là-bas. Ok, bon, alors moi, je vais aller débloquer cette putain de trap qui est ici. Faire quelques petites missions en off, sûrement, pour augmenter un petit peu mes stats et tout, parce que là, ça va être I le bordel. I could have just got it for Arthur, for old time's sake. But Gwen needs that cod liver oil. Poor Johnny Bolton. I think he even guessed my secret. He could have helped. But he couldn't even help himself. Ah oui, le mec qui t'a rentré chez toi, d'accord, qui croyait que ta fille c'était un rat, c'est ça, ok. Qu'est-ce que je disais? En même temps, on l'a mis une patte, on l'a endormi, on l'a mis dans les poubelles. Alors en même temps, voilà, il a peut-être plus grand chose à dire, le pauvre homme. Je voulais dire un truc, et je sais plus, il m'a coupé. Je sais plus. Et ben voilà, je sais plus. Bon, en tout cas, voilà, l'épisode, c'était assez sympathique. On est dans la merde avec le général Big maintenant qui a tout deviné et qu'on sait pas comment ça va se passer la suite. C'est la de mer. Je vous dis à plus, salut tout le monde, et portez-vous bien!